TF1 diffuse ce samedi 7 janvier à 16h10 le documentaire Ici tout commence, les secrets d'un succès. Dans ce reportage truffé d'anecdotes, on apprend notamment qu'Aurélie Pons a bien failli ne jamais faire partie du casting de la série. Samedi 7 janvier 2023, TF1 propose aux fans d'Ici tout commence de suivre le documentaire inédit Ici tout commence, les secrets d'un succès à partir de 16h10. Et comme son nom l'indique, le programme plongera les téléspectateurs dans les coulisses du feuilleton actuellement dans sa saison 3 sur la Une. Un documentaire inédit dans ce reportage fourni, les acteurs et les équipes de la série reviennent sur le phénomène que représente le spin-off de Demain nous appartient et de nombreuses anecdotes croustillantes sont révélées au public. Par exemple, saviez-vous que l'une des stars de la fiction avait totalement loupé son premier casting? Peggy Pascuero, la directrice du casting d'Ici tout commence, témoigne et se souvient ainsi de l'audition passée par Aurélie Pons pour obtenir le rôle de Salomé. Une rencontre qui avait tourné à la catastrophe pour la jeune femme. À l'époque, la comédienne en herbe revenait à peine d'un shooting photo à Barcelone. Celle-ci n'avait encore jamais foulé un plateau de tournage. Peggy Pascuero était totalement sous le charme d'Aurélie Pons et espérait très fort pour que ses essais confirment son pressentiment à son sujet. Aurélie Pons presque recalée, sauf que la principale intéressée n'avait pas bien préparé ce casting. Aurélie Pons avoue, je ne savais pas très bien mon texte, j'étais hyper stressée. Des lacunes immédiatement perçues par la directrice qui, d'ordinaire, coupait court à l'audition face à une performance ratée. Mais pas cette fois. Frustrée de constater que celle sur laquelle elle misait tout n'était pas prête, Peggy Pascuero a accordé l'immense faveur à Aurélie Pons de s'en aller et de revenir plus tard, une fois qu'elle serait au maximum de son potentiel. Je trouvais que c'était du gâchis et qu'on allait passer à côté, confie la professionnelle. Consciente de sa chance incroyable, Aurélie Pons a donc énormément travaillé ses essais suivants. Et cela s'est avéré payant. Elle a alors décroché haut la main la partition de Salomé. Cette anecdote, et d'autres encore, sont à découvrir dans le documentaire Ici tout commence, les secrets d'un succès, diffusé sur TF1 samedi 7 janvier à 16h10.